pensais pas qu'il y avait du monde dès ce matin, mais tant mieux, hein. En ce premier jour des soldes, pas besoin d'attendre très longtemps pour croiser d'heureux acheteurs, bonnes affaires en main. Les réductions, là je suis sur du moins 60 sur une petite chemise, un petit gilet style collège, un petit t-shirt ambiance montagne et un petit gilet collège. Donc voilà, donc moins 60, ça va, c'est appréciable. Habituellement, ils arrivent plutôt vers 9h, 9h30 et c'est à 10h que ça commence à être bien chaud. Jusqu'à 18h, on va dire. Donc là, ça commence bien. Comme ça, la journée va passer vite. L'ouverture des 8h30 ce matin a permis aux clients de pouvoir essayer les produits tant convoités avant l'arrivée de la foule et de profiter ainsi des réductions. J'accompagne ma fille au collège. Ça correspond pile poil à l'ouverture des magasins. Et heureusement que ça s'ouvre à 8h30 parce que ça me donne plus de courage après. Je sais qu'Andy, ça part vite, alors j'ai absolument voulu venir à l'ouverture. Donc voilà. Bah, toi, à moins 50%, c'est intéressant. Ouais. Le premier jour des soldes annonce la couleur, les commerçants sont confiants. Ils espèrent augmenter leur chiffre d'affaires de 40%. Un rendez-vous à ne pas rater en cette période de crise économique. Dans une phase aussi où la météo joue beaucoup, là il fait froid, donc les gens vont s'équiper, gros manteau, les pulls, etc. Cette année, les soldes d'hiver dureront 6 semaines au lieu de 5. Vous aurez jusqu'au 17 février pour en profiter.